Le mot réclamation veut tout simplement dire, c'est l'action de protester.
d'accuser, de s'opposer, de revendiquer. Action de réclamer, de s'adresser à une autorité pour faire connaître l'existence d'un droit. Amen. Amen. Je vais expliquer aussi la réclamation. Il se peut que tu te retrouves. Peut-être la population congolaise, nous arrivons à un moment où on prétend dire qu'il n'y aura pas des élections. Lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas des élections qui ne seraient jamais organisées dans ces pays, qu'est-ce que la population fait? Tout le monde se lève, nous marchons dans les rues, nous sortons pour manifester notre mécontentement. Et l'acte par lequel la population la pose, il réclame ce qui est leur droit. Le droit de la population, c'est d'organiser les élections au temps convenu de la Constitution. Mais lorsque maintenant, il y a des prolongations, lorsqu'on ne respecte pas les délais, le peuple vous descendre sur la rue, en train de réclamer, que nous voulons les élections, ils réclament quelque chose qui les appartient, mais qu'ils sont privés de ce droit. C'est pareil aussi, lorsque nous parlons du rapport sexuel dans le code du mariage, nous disons que le sexe c'est un droit des deux partenaires. La femme ne peut pas priver son homme et l'homme aussi ne peut pas priver son partenaire. Donc une fois l'autre a besoin d'être satisfait, l'autre partenaire n'a que le droit de remplir ses devoirs. Et qu'arrive-t-il? Qu'est-ce qui arrive au moment où l'autre a besoin d'être satisfait? Mais il arrive dans les impossibilités que le partenaire n'arrive pas à les satisfaire. Cela attire la tristesse. Des fois, il y aura des contestations, il y aura tellement de querelles, tellement de disputes. Chacun de nous, dans la vie, pose ses taxes. Toi et moi, des fois, nous réclamons les choses qui nous appartiennent. Tu peux prêter quelqu'un de voir de l'argent, tu peux donner un frère à un ami de l'argent, mais ça arrive à un moment où la personne qui a pris l'argent ne veut pas payer. Qu'est-ce que nous faisons? C'est de voir, nous voyons des gens en train de discuter. Des fois aussi, nous pouvons voir des gens en train de se battre. Il se bat pourquoi? Il dit, je l'avais prêté quelque chose qui m'appartient, mais ce dernier m'a privé du droit de jouir de ce qui est à moi. Alors la personne se levera, revendiquera ce qui lui appartient. C'est comme un voleur qui entre chez toi à la maison. Le voleur arrive pendant la nuit, pendant que vous dormez, il ravive au poste de téléviseur, il les sort tous les biens de la maison. Et que se réveillant, vous voyez que tout où la maison a été vidée, vous irez à la poursuite du voleur. Et quand vous serez à la poursuite, vous réclamez les choses qui vous appartiennent. Mais tant le voleur vous a privé. Amen. La personne a pris quelque chose qui est à toi. Dieu a mis à l'homme quelque chose qui lui appartient. Ta vie t'appartient. La gloire, la richesse, ton étoile t'appartient. Mais qu'en est-il de la réclamation? Or, la réclamation, nous pouvons voir même dans l'histoire de la Bible. Un jour que Dieu parlait à Abraham, il dit à Abraham que je te donne cette loi à perpétuité. Tes enfants feront la circoncision et ça sera le signe d'une alliance. Et quiconque ne sera pas circoncis, il sera étranger au milieu de son peuple. Dieu voulait dire quoi par là? Dieu réclamait le droit de la circoncision. Et chaque fois que le peuple n'observe pas cela, n'obéissait pas à la circoncision, Dieu les retranchait au milieu du peuple. Cela veut dire quoi? Dieu réclamait que la circoncision lui appartient. Amen. 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 C'est ça la loi de Dieu. Mais dans le monde spirituel, nous avons deux royaumes. Il y a un royaume de Dieu, il y a aussi un royaume du diable. L'entité du ténèbre, le diable, sur la terre a sa mission. Sur chaque famille, sur chaque clan, sur chaque tribu. Un homme dédie sa famille au diable et la diable imposera ses lois dans cette famille. Il empêchera que le membre de cette famille puisse vivre dans la liberté personnelle. Il les empêchera de jouir de ce qui les appartient. Alors, chaque fois qu'un homme s'élèvera sur la terre pour remplir une mission, que Dieu lui a donnée, les diables aussi
sa réclamation dans la vie de la personne. C'est comme ça que vous voyez, les vies sont réclamées, le bonheur sont réclamés, les élévations déjà sont réclamées. Il y a des gens qui subissent des blocages dans leur vie, qui passent des moments plus difficiles, qui passent dans des terribles tourments. Pourquoi? À cause des réclamations quelque part. Une puissance du diable réclame tout ce qui appartient à un homme, disant que c'est moi qui ai les droits sur ce qui t'appartient. Alors, qu'est-ce que les sources des réclamations? En lisant ces textes, la Bible nous relate l'histoire du Pharaon. Qu'est-ce qui va se passer? Le Pharaon fut un puissant roi de l'Antiquité. Le roi était entouré des magiciens, des astrologues et de tous les savants de la terre. Un malheur devait venir sur la terre. Personne ne savait que le malheur arrive. C'est pourquoi je vous dis, s'il y a des choses à considérer dans la vie, considérez vos songes. Dans les songes, Dieu vous révèle les secrets. Amen. Alors, au milieu de la nuit, le roi dormait. Et pendant que le roi dormait, Dieu vint lui révéler un songe. Il ne savait pas que quelque chose va se passer. Pour vous dire que l'intelligence de l'homme ne peut pas révéler le mystère caché de la vie de l'homme. Même si vous êtes très intelligent, ni ici est capable de me dire ce qui arrivera à 18h30. Amen. Amen. Personne n'est capable de le faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tellement que l'intelligence de l'homme est limitée. Dieu a donné le pouvoir aux esprits. C'est pourquoi le Saint-Esprit il était sur sa couche. Azaraki na metoda. Et le Seigneur va nous révéler un secret. Pendant que le roi dormait, il vit un songe qui semble être peut-être négligé entre toi et moi. Lorsque nous voyons certaines choses, nous disons que cela ne sert absolument à rien. Mais la Bible dit que le roi dit cette vague grave. Il vit cette vache grave. Et qui pénétrait dans la patrie. Alors le roi ne vit pas dans les sommes. Mais quelque chose va fourvoyer son esprit. Il sera maintenant le tour de cette vache mère. Quand vous voyez les choses que vous ne comprenez pas, ne négligez pas ces choses-là. Il vit cette vache mère. Il a une vache mère. Ils sont venus maintenant manger les sept vaches gras. Or, dans le monde réel, les bêtes sont que les herbivores. Ils ne mangent jamais la chair. Ils ne sont jamais des carnivores. Mais qu'est-ce que cela vous veut dire? Le roi s'éveilla. Et quand le roi s'éveilla, son esprit s'est tellement troublé. Il s'est dit de lui-même, de toute mon existence, je n'ai jamais vu une vache marcher une autre. C'est quasiment impossible. Ça ne peut pas se faire. Il voit s'assis sur son couche. Il réfléchit toute la nuit. Donne-moi un bon amen. Amen. Pour lui, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Enlève la tristesse, dis gloire au Seigneur.
quand les rois s'éveillent, il dit que ce n'est pas possible. Et toute mon existence, je n'ai pas vu des choses pareilles. Attention avec les songes. Les songes, c'est un thermomètre de l'homme. Si tu veux connaître ta vie, relis seulement tous les songes que tu vois. Tu sauras maintenant où ta vie part. Tu penses de toi-même, tu dis qu'est-ce qui arrivera. Tout
tout ce que tu peux penser de toi n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Mais le roi maintenant ne savait pas qui va interpréter cela. Qui va interpréter ces sons? Qui va interpréter ces choses? Le roi savait quand même. Moi qui n'étais païen, le roi savait que ces songes-là cachaient un message. Il fit appeler un jeune homme qui était emprisonné. Un homme oublié, un esclave. Mais qui a lui avait les dons de Dieu? Qui avait la puissance d'interpréter les songes? La seule chose que Dieu avait donné à Joseph, sa plus grande richesse était les dons qui étaient en lui. Tout ce que Dieu t'a donné là, peut t'amener quelque part dans la vie. Tout ce que Dieu t'a donné, peut t'amener quelque part dans la vie. Ça peut t'élever, ça peut te rendre grand, ça peut te rendre fort. Tu sais te préparer, fais un restaurant. Tu sais préparer la nourriture, fais ton restaurant. Tu es intelligent. Je vais aller en aider aux gens qui travaillent. C'est un homme Joseph qui avait les dons de Dieu. Il savait ce que Dieu lui avait donné. Il ne négligeait pas les dons qui étaient en lui. Il a exploité son talent. Quand la vie d'un homme commence, lorsque l'homme commence à exploiter ce que Dieu lui a donné. Je le répète encore, la vie d'un homme commence lorsque l'homme commence à exploiter les talents que Dieu lui a donnés. La vie commence lorsque nous utilisons ce que nous possédons. Car la vie ne dépend pas de ce que vous êtes. La vie dépend de ce que vous serez. La vie d'un homme, c'est la belle. Ne regarde pas ton présent, mais regarde ton avenir. C'est le diamant qui qualifie un homme. Mais la valeur d'un homme est déterminée par ce qu'il est capable de faire. La corpulence, la beauté d'un homme n'attire pas la considération. Je vais vous relater une histoire. Avant de continuer, j'avais un ami journaliste. Vous n'avez pas dit j'ai un ami journaliste. Quoi que ça fait en bas, on ne se voit pas. À ce temps-là, j'étais tellement gros. J'avais vraiment de la corpulence. Je m'habillais très très bien. J'allais aux émissions. Un jour, nous avons fini l'émission avec cet homme. Il m'a fait sortir du plateau et il m'a dit: les gens n'ont pas besoin de ton habillement, mais les gens ont besoin de ce que tu exploites en toi. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce que les gens ont besoin. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris. Il faut utiliser plus ce que je possède. La prétention extérieure.
makambo bato bakomona libande kosunga na eloko te à ce moment-là na mokolo wana Dieu te bénisse alors gloire à Jésus amen amen alors tu prends l'interprétation tous ces jours amen, amen. Joseph, quand il a boloko, il ne négligeait jamais ce qu'il avait. Il savait que même si mon corps est en prison, le travail ouvrira les chemins. Le travail rend la vie possible. Même si le corps n'arrive pas, mais en travaillant, on peut arriver quelque part. Ces jours-là, le roi fit appeler à Joseph. Celui qui a quelque chose, on le cherchera. Bien aimé, le don, les gens chercheront ce que toi tu as. Les gens ne regarderont pas les trajets que tu es. Mais les gens s'approcheront. Les gens viendront vers toi. Quand tu as quelque chose à proposer. Alors ces jours-là, le roi fit appeler à Joseph. Et quand Joseph arriva, il était devant le roi. Le roi lui relata les songes. Joseph y comprit le contenu du songe. Joseph a comprendre ma carte. Il devait d'abord cette vache grasse. Le roi lui dit certainement. Après cette vache maigre encore. Le roi dit certainement. Il dit comment cela s'est passé. Donc chaque fois que le vache grasse pénétrait dans la pétrie, les vaches lèvres, maigres et chèvres, amortissaient ce vache. Donc quand quelque chose de positivité apparaissait, quelque chose de négativité arrivait, cela fit pareil même aux épines. C'est ça qu'on appelle la réclamation. Parce que les sept vaches grasses sont apparues. Les sept vaches maigres apparaissent encore. Ils réclament la vie de cette vache grasse. Il déclare que les sept vaches-là ne peuvent pas exister. C'est ça qu'on appelle une réclamation. Attention bien-aimé. Attention bien-aimé. Il dit que les sept vaches-là sont sept années d'abondance. Mais les sept vaches maigres des chairs sont sept années de souffrance. Précédera les sept années de la famille. C'est ça le problème. C'est là que nous prenons ce son. Que les sept années d'abondance là étaient réclamées par les sept années de la famille. Il dit que ces choses-là ne peuvent pas arriver. Ce problème-là ne peut pas arriver ici. Si cela arrive, on les réclame. Les sept vaches maigres applaudissent les sept vaches. Ils réclameront la vie de ces sept vaches. C'est ça aussi Satan le diable. Il se tient dans un coin en train de réclamer n'oublie pas ce que je dis. La souffrance réclame toujours le bonheur. C'est pourquoi quand tu commences à avancer, tu réclames encore. Si tes histoires se répètent dans ta vie, c'est qu'il y a une réclamation qui se passe. Attention bien aimé. En 2016,
Au bout de 2016, tu as rencontré le même problème. Tu as commencé une nouvelle histoire. En 2021, le même histoire se répète encore. Et comment toi tu peux comprendre ta réclamation? Je vais te donner un témoignage. La fois passée, quelqu'un est venu voir ma femme. Rappelez que ma femme est venue au monde. Et elle est venue voir ma femme. Et lorsqu'elle est arrivée, elle nous a amené de faire les manioc. Pour nous, il y a beaucoup de choses semblables. Et c'était comme ça. On a amené le pondou à la maison. C'est fait de manioc qui était à la maison. Pondou est fait de manioc. On a préparé. Nous espérons de les manger. Et fait de manioc était là. Bien préparé. Je dors la nuit. Na lali na butu. Je fais un rêve. Na loti ndoto. Et je suis sorti de la chambre. Na bini na soupe na la. Je me suis dirigé dans la cuisine. Na geri ti nesika to lambaka. Et j'ai ouvert seulement. Na fongoli kaka mofiniko. L'ouverture de la mamie. Et ya mzungu. Et qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Na zako mona na kati. Ce que je vis à l'intérieur était si prenant. Et loko na mona ki na kati. Je vis des asticots à l'intérieur. Beaucoup des asticots. Je fais un marmite. Je me suis éveillé. Voyez. Le fait de manioc nous a été accordé. Mais moi je rêve, je vois les asticots dans la marmite. Tu te réveilles le matin. Tu mangeras encore ça. On lit les sources de Robesa. Et surtout, ils avaient rempli beaucoup de choses à l'intérieur. Nene Macha qui m'a battu la gazi. On espérait vraiment manger à sa siesté. Mais il y avait des choses. C'était des asticots que moi je voyais. C'est ça qu'on appelle la réclamation. La personne qui l'a apporté ne peut pas être mauvais. Peut-être la croix où vous l'achetez. Mais ce n'était pas en réalité de faire des manioc. Mais c'était des asticots. Mais si on avait mangé cela, mais pourquoi cette marmite est devenue avec des asticots? C'est ce qu'on appelle les réclamations. Il fallait réclamer nos ventres. Quand ils ont pu manger cette nourriture, je lui ai dit, tu vois, c'est ce que je n'aime pas. C'est pas ce que je revais. Si on avait mangé, on pouvait manger les asticots. On pouvait manger les asticots. C'était des asticots. Et moi j'ai dit seulement. On pouvait m'inviter ou réclamer ma vie, ça ne fait rien. Mais peut-être qu'on voulait réclamer la vie de mon bébé. C'est ça le problème. Attention bien-aimé. Attention bien-aimé. J'ai pris cela.
Je l'ai pris au sérieux. J'ai grondé ma femme. Et on a pigé des serres. C'est ça qu'on appelle la réclamation. Ça veut dire si c'est fait. Que tu fais un songe. Toi, tu as une position de marié. Mais tu fais toujours les songes. Tu te vois dans la maison familiale. Tu as déjà quitté ce quartier où tu étais autrefois. Mais tu fais toujours les songes que tu es là-bas. Mon papa, je fais un songe, une seule manie. Je fais un songe, papa. Que je me suis tellement retrouvé dans la pauvreté extrême. Qu'est-ce qui est venu dans la suite? Ils sont arrivés chassés du travail. Et ils se sont retrouvés dans la pauvreté. Attention aux réclamations des hommes. Comment toi tu es une grande femme? Toi tu es en Europe. Toi tu es en Amérique. Toi tu es au Congo. Tu fais toujours les rêves qui sont au village. Une réclamation, c'est pas ça. C'est pourquoi les gens réclamés n'avancent pas. Attention. Amen. Attention au son que vous voyez. Tu fais un rêve. Tu te vois mal habillé. Alors que pendant les jours, tu t'habilles correctement. Normal. Il t'appellera encore dans la même chose.
Il y a des réclamations des maisons. Il y a des réclamations de bonheur. Réclamation. Il y a des réclamations du travail. Réclamation. Mais je te dis en un mot. Retenez ce que je te dis. Tout songe qui apparaît contraire à la réalité que tu es. Montre une réclamation dans ta vie. Alors, lorsque tu te vois réclamer, n'attends pas car tôt ou tard, ces choses finiront à s'accomplir. Voilà ce que tu vas faire. Première chose, tu chercheras la délivrance. La prière de l'autorité. Chercher la face des dieux et briser par l'offrande de réclamation. Et à travers l'offrande de réclamation, tu mettras fin à cette situation. Je m'excuse. Tu vois la nuit, tu cherches des enfants. Et la nuit, tu vois que tu as déjà des enfants. Ton ventre est réclamé. On passera que par le fond des réclamations pour mettre fin à ces choses. Que Dieu vous bénisse. Il a dit ceci, vous connaîtrez la réalité.